Bonjour Stéphane Herman. Aujourd'hui sortent les recommandations sur le PIX. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce qu'est le PIX et le contexte de ces recommandations ? Oui, bien sûr. Alors, le PIX, c'est le Post-Intensive Care Syndrome ou syndrome post-réanimation. Et donc, le contexte de ces recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont publiées aujourd'hui pendant le congrès réanimation, c'est à la lumière, à l'occasion de la pandémie Covid-19, tout le monde a bien vu qu'il y avait une explosion du nombre de SDRA et donc potentiellement de patients qui allaient souffrir de séquelles post-réanimation, avec ces séquelles qui sont connues depuis relativement longtemps. Mais voilà, il y a eu un problème de santé publique, je dirais, à la phase aiguë et avec les conséquences à long terme. Et donc, c'est pour ça que la Haute Autorité de Santé a décidé de faire un groupe de travail pour faire des recommandations sur la définition, le diagnostic des guides de prise en charge et de suivi, de dépistage, diagnostic, etc. pour ces patients dans les suites du SDRA. Très bien. Alors, peux-tu nous donner la définition du PIX et ses principaux facteurs de risque ? Oui, tout à fait. Alors, le PIX, c'est la survenue ou l'aggravation d'une symptomatologie physique, psychologique ou psychiatrique ou bien cognitive dans les suites d'un séjour en réanimation. Alors, la définition temporelle qui a été retenue, c'est de dire jusqu'à un an, voire parfois au-delà, parce que ça peut dépendre de certaines symptomatologies particulières. Mais en général, c'est dans la première année. Le groupe de travail s'est attaché à vraiment avoir une définition relativement large pour avoir un indice de suspicion élevé et voilà, plutôt diagnostiquer trop de malades plutôt que de, entre guillemets, rater des malades qui pourraient être exposés à ce syndrome. Les données épidémiologique, c'est plus de la moitié des malades sortant de réanimation après un séjour un petit peu prolongé qui sont à risque de développer un syndrome post-réanimation. Très bien. Et donc les facteurs de risque de le développer ? Alors, les facteurs de risque, ils sont nombreux. À nouveau, comme je disais, on a privilégié un degré de suspicion élevé. Donc, il y a des facteurs de risque avant la réanimation. Et donc, c'est en particulier les patients âgés, les patients qui ont déjà des comorbidités, des patients qui ont des atteintes psychologiques, psychiatriques avant la réanimation. Il y a des facteurs liés à la réanimation et donc en particulier les patients admis pour SDRA ou pour sepsis, c'est là où c'est le mieux documenté. Il y a la durée de séjour et la durée de ventilation mécanique et donc on a retenu un cut-off à 3 jours. Et puis, il y a un certain nombre de facteurs de risque qu'on peut identifier à la sortie de réanimation. Et donc, en particulier, par exemple, les patients qui ont eu des épisodes de délirium durant le séjour ou bien les patients qui ont une neuromyopathie de réa, par exemple, sont à risque. Donc, on a dressé il y a un tableau dans les recommandations qui liste l'ensemble de ces facteurs de risque. Et le groupe de travail a considéré que dès la présence d'un de ces facteurs de risque, eh bien, il faut se poser la question d'un éventuel suivi diagnostique en considérant ces patients à risque. Et donc, c'est une grande majorité des patients de réanimation. Et pour finir, peut-être en quelques grands messages, quelles sont les recommandations proposées par le groupe du travail pour prendre en charge ces patients diagnostiqués ou hautement à risque de développer un PIX ? Alors, c'est une prise en charge qui est forcément multidisciplinaire puisque les atteintes sont très diverses d'un patient à l'autre. Et donc, les recommandations qui ont été retenues, c'est de dire qu'il faut initier le parcours de soins coordonné dès la phase hospitalière et donc dès la réanimation, avec l'identification d'un professionnel de santé hospitalier qui initie ce dépistage, suivi, diagnostic, avec une transition progressive vers le médecin généraliste, le médecin traitant.
voilà, avec des périodes clés dans le suivi qui sont les moments de transition, c'est-à-dire la sortie de réanimation vers un service d'hospitalisation classique. Et là, il y a un moment important de passage d'information. Et puis, au moment de la sortie de l'hôpital, la plupart des patients rentrent à domicile. Et donc, après, c'est un lien avec le médecin traitant qui doit être fait à domicile. Et une plus faible fraction de patients sont pris en charge dans des structures de moyen ou long séjour. Mais là, à nouveau, c'est au moment de cette transition qu'il y a vraiment l'information qui doit être faite. Et donc, selon les typologies de patients, le suivi peut être un peu différent et doit être adapté. Mais le groupe de travail a retenu le principe que tous les malades qu'on considère à risque doivent être revus dans les 3 à 6 mois qui suivent la sortie de réanimation ou de l'hôpital, selon les typologies. Merci beaucoup. On attend avec impatience ces recommandations. À bientôt. Merci.